Vous regardez RTL. Le surf de l'info. Cyprien Cini. Votre sourire du matin sur RTL à 6h44. Le surf de Cyprien Cini. Cyprien, vous surfez donc avec Raquel Garrido. Eh oui, l'ex-porte-parole de Jean-Luc Mélenchon était sur RTL avec Marc-Olivier Fogiel hier pour expliquer sa décision d'arrêter la politique. Une décision grâce à laquelle elle se sent libérée, délivrée. Ouais, comme la Reine des Neiges. Voilà. Désolé. C'est pas moi, c'est Marc-Olivier Fogiel qui l'a dit. Enfin, elle dit qu'elle est contente d'avoir arrêté la politique, quoi. D'ailleurs, à l'écouter hier sur RTL, ça n'a finalement pas été si difficile que ça de choisir entre la télé avec Ardisson et la politique avec Mélenchon, car c'est le sentiment du devoir accompli qu'elle quitte la France insoumise. Séquence émotion. Je l'ai fait pendant 25 ans, sans arrêter un seul jour. Quand j'étais enceinte, quand j'étais en train de donner le sein, j'étais toujours sur la barricade. Et aujourd'hui, je vois ce mouvement qui est parti de rien. À l'époque, on était 6 ou 7 autour de Jean-Luc Mélenchon dans la cave d'une pizzeria. Et aujourd'hui, il a fait 7 millions de voix à l'élection présidentielle. Et je considère que j'ai fait ma part. C'est beau. Mais c'est triste aussi, car depuis la rentrée de septembre, ce petit mélange des genres n'était pas pour nous déplaire, comme quand elle est en conférence de presse du Premier ministre et qu'au moment des questions pour les journalistes, elle faisait... Raquel Garrido pour Les Terriens du Dimanche sur C8. Quel a été le rôle directement de l'Élysée dans la rédaction ? Je vais vous répondre et... Et bien qu'un peu surpris de la retrouver là, Édouard Philippe avait répondu. Puis, c'est aussi une sacrée perte pour la France insoumise, car assez peu de mouvements politiques peuvent se targuer d'avoir en leur sein... Ah, je suis Madame Soleil, je vous dirai tout. Une Madame Soleil, oui, une voyante capable d'annoncer à la télé qu'une manif s'était hyper bien passée deux jours avant qu'elle ait lieu. Et oui, la manif était prévue le samedi, mais l'émission du dimanche était enregistrée le jeudi, pas de bol. Mais c'est pas grave pour Raquel qui, sans se démonter, avait annoncé... Macron a fait une ristourne fiscale pour les plus riches de ce pays de 3 milliards. Mais c'est pour ça, que c'est pour ça qu'on était dans la rue hier et que ça a assez bien marché. Ah, c'est pour ça. Eh oui, ça a assez bien marché, alors que la manif n'était que deux jours plus tard. Fallait le faire quand même. Raquel Garrido, qui avait finalement poussé le mélange des genres à son paroxysme quand elle avait décidé de répondre aux accusations du canard enchaîné concernant des arriérés de cotisations et d'URSSAF via... le Snapchat de Jerem Star. Oui, ne me regardez pas comme ça, Julien et Marina. Snapchat, c'est un réseau social très prisé des ados. Et Jerem Star, c'est un blogueur spécialiste de télé-réalité, très prisé des ados aussi, ce qui avait donné cette vidéo mi-surréaliste, mi-embarrassante. Mais moi, j'ai de la peine sur le canard enchaîné. Les vermines, vous connaissez pas le canard enchaîné, ça. Mais... Les vermines, elle a dit. Le canard enchaîné, c'est une icône de la presse française. Ça fait 5 fois qu'il parle de moi, ça fait 5 fois qu'il se trompe. L'insoumise va donc se consacrer pleinement à la télé, mais c'est sûr que Jean-Luc Mélenchon continuera de suivre ses aventures palpitantes sur le Snapchat de Jerem Star, évidemment. Merci Cyprien. Alors vous, on ne vous retrouve pas encore sur Snapchat. Ah non, c'est trop compliqué pour ça. Ça viendra peut-être. Ah, moi, j'y comprends rien vieux, non plus. Je suis trop vieux. Mais on vous retrouve sur la page Facebook RTL Petit Matin. Ça vous y arrivez, Facebook ? Ça fonctionne ? Ça va, c'est facile. Allez, tout va bien.